Eh bien, bonjour à tous, bonjour, bonjour la géosphère. Je sais que c'est très difficile en ces temps de confinement pour les libraires, pour les librairies qui sont fermées, qui commencent à réouvrir un petit peu. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que je sais que c'est pas simple et j'espère vraiment pouvoir, une fois le confinement levé, revenir dans votre librairie. Et moi, je voulais vous proposer. En ces temps confinés, de vous proposer un petit voyage dans le pays où je passe tout mon temps en ce moment, puisque je suis en train d'apporter la touche finale de mon prochain roman, qui se passera en grande partie dans un pays qui s'appelle la Namibie. Alors c'est un roman que j'avais en tête depuis pas mal d'années. L'idée c'était de faire un roman sur les rapports entre les hommes et les grands mammifères, et notamment les grands fauves. Et ce que je voulais, c'était essayer d'explorer, de voir ce que ça pouvait faire, ce que c'était vraiment que vivre au quotidien à proximité de grands fauves, et notamment à proximité de lions. Au-delà de toutes les images qu'on peut avoir aujourd'hui, de la menace qui pèse sur la biodiversité, sur les espèces, c'est quoi en fait de vivre à proximité de lions? Il y a assez peu d'endroits en fait où ça se fait, mais en Namibie, dans le nord-ouest de la Namibie, une zone qui s'appelle le Kaokoland ou le Kunene, on a une population, une des rares populations en Afrique de lions, qui vit en dehors de tout parc national, en totale liberté, et à proximité d'hommes, d'éleveurs, de vaches, de chèvres, de moutons. Et donc des éleveurs qui vivent avec la menace permanente des attaques de lions sur leurs troupeaux. Et je voulais vraiment voir ce que ça faisait. Alors c'est une population de lions qui est très particulière, qu'on appelle les lions du désert, qui est une population qui se porte bien, puisqu'en fait elle est en augmentation depuis tout ce que la Namibie a fait en termes de mesures de protection. Vous pouvez la regarder sur internet, Lion du désert. Il y a un magnifique livre qui existe sur le sujet qui s'appelle Vanishing Kings, sur les lions du désert, mais qui est, je pense, très difficile malheureusement à trouver en France. Et c'est une population qui est particulière parce qu'en fait, ce sont des lions, alors c'est bien l'espèce de lion, c'est la même espèce que tous les lions d'Afrique, mais c'est une population qui s'est adaptée à la vie dans cette zone particulière, dans cette zone très aride, et avec donc des conséquences biologiques et comportementales sur l'organisation des groupes, sur le mode, le régime alimentaire. Notamment, ces lions ont la possibilité de vivre sans boire d'eau, pendant des semaines. En se contentant de l'eau qu'elle trouve dans les proies, en fait, dans le sang des proies qu'elle chasse. C'est vraiment une population extraordinaire et des animaux magnifiques. J'ai eu la chance d'en voir un petit peu au cours d'une aventure que je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo un jour. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était au-delà de la faune. J'étais pas parti en Namibie l'année dernière pour voir les lions, même si j'en avais l'envie. Mais quand je suis parti, donc je ne vous l'ai pas trop dit, mais je suis parti pendant 2 semaines, il y a à peu près un an, avec mon frère, et accompagné de Félix Valla, qui est guide en Namibie et qui est un ami depuis pas mal d'années. Ce que je voulais, c'était rencontrer les éleveurs et m'intéresser à cette cohabitation entre les hommes et les lions. Et donc on est parti 2 semaines, on est parti dans le nord, le nord-ouest du pays. Et oui, on entend les perruches marseillaises, espèces exotiques envahissantes. Et donc pendant 2 semaines, le but c'était de faire des entretiens. Donc je suis allé à la rencontre de pas mal d'éleveurs. Donc c'est une zone où habitent des éleveurs avec des populations Herero, Damara, Himba. Sur les Himba, je vous recommande très chaudement la lecture de cette bande dessinée Rouge Himba de Solène Bardette et Simon Hureau. C'est une bande dessinée, mais c'est extraordinaire. On apprend plein plein de choses sur le peuple Himba, et moi-même, je m'en suis beaucoup
enfin inspiré, je sais pas, mais en tout cas, ça a été une source de documentation très importante pour moi. Et donc, on est allé sur place avec, accompagné par ce qu'on appelle des Lion Rangers, c'est-à-dire des agents qui sont chargés de faire le lien en fait entre les hommes et les lions, c'est-à-dire d'aider les hommes dans leur cohabitation avec ces grands prédateurs. Et ce qui, moi, m'a frappé quand j'ai discuté avec tous ces éleveurs, c'est de voir à la fois la conscience assez aiguë qu'ils avaient de l'importance de la conservation de ces espèces et en même temps la difficulté que pouvait représenter le quotidien pour eux. Et donc j'ai eu des récits qui étaient, c'était assez à la fois extraordinaire et en même temps très très poignant, des récits avec des éleveurs. On était à proximité des kraals, hein, les kraals qui sont les enclos dans lesquels sont parqués les bêtes, et des éleveurs qui me racontaient comment parfois en pleine nuit ils avaient leurs troupeaux qui se faisaient attaquer par les lions, comment ils organisaient autour des troupeaux, comment ils accrochaient des choses aux arbres, des objets métalliques pour que les lions tapent dedans et que ça fasse du bruit pour qu'ils soient prévenus si les lions arrivaient, comment eux tapaient sur des objets, utilisaient leur feu, utilisaient les phares de leur voiture pour essayer de faire fuir le lion, et avec toujours la peur de l'attaque et puis aussi la peur pour soi-même, quoi, parce que là on parle de prédateurs qui, même si les attaques sur les hommes sont rares, ont cette possibilité d'attaquer l'homme. Il y en a déjà eu des attaques sur les hommes. C'est assez. Ouais, ça fait vraiment quelque chose d'entendre ça. Et puis j'ai eu d'autres récits, des récits qui venaient un peu plus du passé, de comment on s'occupait des lions chez les Héréros en particulier dans le passé, comment il y a. Une trentaine, une quarantaine d'années, quand un lion s'approchait trop des troupeaux, les hommes n'avaient pas d'autre choix que de partir tuer l'animal, armé de ce qu'ils pouvaient, hein, parfois de lances, parfois de fusils quand ils en avaient, aidés par les chiens, et puis avec toujours le risque d'y passer. Hein, et comment, les conséquences que ça avait d'avoir réussi à tuer un lion, quand un homme avait tué un lion, il prenait le cœur du lion qu'il frottait contre lui, il mettait la peau du lion, il rentrait dans son village et toute la gloire qu'il pouvait en retirer. Et tout ça, c'était aussi très, ouais, assez fort à entendre. Voilà, mais il y aurait des milliers de choses à dire, mais moi, c'est vraiment un voyage qui m'a beaucoup marqué, auquel je pense beaucoup en ce moment, et qui a beaucoup nourri. Ce roman dont j'aurai peut-être d'autres occasions de vous en parler, qui sort en septembre prochain. On n'a pas encore de titre, mais un des personnages principaux s'appelle Charles et c'est un lion du désert de Namibie. Voilà. Bon courage à tous. Lisez des livres, évadez-vous comme vous le pouvez. Et voilà, j'espère que mes petites histoires namibiennes vous auront un petit peu permis de voyager. À bientôt et bon courage à la géosphère.